Salut Marat, tu vas bien? Il fait chaud. Parce qu'on va être très nombreux. Dundee, à Mons, ce sont des Montois, c'est beaucoup plus classique, mais le gentilé, c'est le nom des habitants. Donc voilà, le gentilé Dundee, c'est les Leux. Moi, j'ai eu la chance d'être Leux jusque mes 18-21 ans. Maintenant, je suis un petit peu plus loin et je vais redevenir montagnard. Est-ce que j'ai encore d'autres choses à raconter pendant que tout le monde est là? Vous êtes comptés? Tout va bien? Vous êtes combien? Je ne sais pas. Et on repart dans l'autre sens. C'est un an de travail qui s'appellera le fil rouge. Pas blanc et rouge, juste le fil rouge. Donc c'est l'atelier de production de spectacle de l'école de cirque de Honnel qui est heureux de vous présenter ça. Je vais vous demander de Donc c'est une partie. J'ai eu l'occasion cet après-midi de me balader un peu, de voir le festival. On m'a dit que c'était la 6e édition. Applaudissez-les. Et alors, quand Antoine m'a demandé de venir, en fait, ça fait très longtemps que je ne sévis plus en solo. Et donc, je lui ai dit, mais évidemment que je serai là, Antoine, demande-le quoi. J'ai un grand plaisir, sauf que je me suis dit, merde, mais ça fait super longtemps que j'ai pu répéter en solo. Et donc, c'est l'avantage de la répète solo, c'est que j'ai fait une répète chez moi tout seul hier. Voilà, ça ne demande pas de réaction. Et donc, dans la liste, je me suis dit, tiens, mais celle-là, ça fait quand même longtemps que je n'ai plus joué juste guitare-voix, je vais me faire plaisir. Et donc, voici Madame Pipi. Sur sa petite table jaune à fleurs, au milieu de nos odeurs, quel bonheur, Madame Pipi fait la gueule. Dans son assiette qui s'abîme, luisent les pièces de 20 centimes sublimes. Madame Pipi se fait son film. Elle a plus de style dans ses gestes que toutes ces stars du show business. Plus de classe que les gens qui passent en costard, trois pièces. Avec sa bombe, elle vaporise la vie salace des journées grises. Elle aseptise les fosses plus sceptiques qu'une église. Puis le soir, quand tout s'éteint, Madame Pipi attend son train. Elle regarde le cœur léger, son tissu étoilé. Elle dandine
sur la voie ferrée, sur son visage on voit pointer le sourire d'une fée. Si c'était vrai, elle a plus de style dans ses gestes que toutes ces stars du show business. Plus de classe que les gens qui passent en costard trois pièces. Moi, je dis que dans ces personnes qu'on oublie, sommeil, un soleil de minuit, une petite lueur qui fait de ces femmes de jolies dames.